parce que les gens sont là physiquement, que le groupe s'est reconstitué. Le groupe s'est reconstitué physiquement, mais mentalement, il y a des gens qui ont choisi dans cette affaire-là de ne pas parler depuis le début. Que ce soit la police, que ce soit la justice, ils ont le droit. Ils ont le droit. Et ils ont le droit aussi de réintégrer l'équipe en ne disant rien. Ils ont le droit. Donc, vous voulez forcer quoi ? Donc, Mickaël a essayé, et je dis bravo à lui, parce qu'il a tenu à merveille son rôle de capitaine, qui était d'essayer de crever un petit peu cet abcès-là. Aujourd'hui, on a besoin de réapprendre à bien jouer au handball ensemble, à fonctionner ensemble et à travailler ensemble. Voilà. Après, les relations humaines, aujourd'hui, dans cette équipe-là, elles sont un peu altérées. Voilà. Mais on peut quand même avancer et faire des choses. Et c'est une nécessité absolue, ça. Je crois que les gens, ce qu'ils aimeraient, c'est que cette histoire n'ait jamais eu lieu.